Mesdames et messieurs, accueillez les deux grandes stars d'Entre deux lèvres, Monat Grenoble et Rainbow! Wow, il y a des t-shirts en deux lèvres. Il y a déjà, je vois qu'il y a des fautes dedans. Ça, c'est gênant, Nasty. Ouais. Jovial et en rut. C'est ça, R-U-T-H, rut, je pense, pas R-U-T-E. C'est moi non. qui est folle? Non, non. OK. De sexe anal, sensuel, inactif, cajoleuse à main. C'est ça, quand c'est pas moi qui gère les t-shirts, ça va mal, là. Ouais, mais Mona a un taux de réponse de une fois sur 48 fois. Je réponds au mois. Comme dans le temps des pigeons voyageurs, je trouvais ça le fun. C'était simple, t'avais à paix 29 jours par mois, là. Avec cette petite carré magique-là, faut répondre à la seconde, ça me stresse. Bon. T'es en psychose? Ah oui, mon Dieu! C'est oui. Vrai. Pour vrai, c'est comédien. Ben là, vous le savez, Asti, vous êtes pas surpris, c'est écrit partout ici. C'est comédien, en ce moment, je fais des allers-retours à Québec non-stop, là. J'étais à Nick, l'autoroute 40. Là, j'adore Québec, mais c'est le chemin entre qui me tape sur le chou. Moi, c'est ma première fois en 3 ans que je reviens à Québec. Et, ouais! C'est-tu vrai? Ouais. Puis je reviens pour Comédia, puis je suis bien contente, puis j'ai très hâte d'aller au snack bar manger des cornichons frais à 3h du matin. Ouais, moi aussi, avant, la semaine passée, ça faisait... La dernière fois que je suis venu à Québec, je pense que c'était avec Samuel II. Champlain, là. Je suis une historienne, moi, je pense. Ben, tu fais de l'humour, toi, hein? Ah, oh, j'essaie fort. Regarde, oui, hey, on a des belles casquettes, hein? Oui, merci, Québec. Merci. Vous avez des très beaux Doloramas. C'est fait. Bon, tiens. Ben, est-ce que y en a qui connaissent pas Entre deux lèvres ici? Génial! Ah! C'est pour ça que c'est payant, ce projet-là, Vierge. Ben oui. Ben c'est bien simple. Est-ce que c'est votre premier enregistrement live? Oui. Ouais. C'est notre premier enregistrement à Québec, point. D'ailleurs, là, ouais. C'est complètement mon gars. Fait que c'est pas commencé, là. Vous voyez qu'on est un peu lousse, là, quand même, là. Non, non, on va partir ça bien vite parce que c'est un épisode court. On a une heure, là. Là, on vient de brûler 2 minutes à parler de Samuel de Champlain et qu'on est conne. Fait que, y a pas d'animateur de foule, hein, Salva, il est plus sur le marché du travail. Non. Fait que. Ah, y avait un gars à quatre pattes tout à l'heure, là. C'est peut-être lui. Ah, il était au fond du baril, le colis. Bon, alors. On va vous demander, là, on va partir le jingle, puis vous allez crier puis capoter comme si on était pas là déjà. C'est-tu bon pour vous autres? Hey, mais, ouais, okay. Juste avant, est-ce qu'on peut faire monter nos micros un peu? Juste, j'aime ça entendre ma vieille voix, là, sur l'hélium, là. Oui, je l'entends dans mes cauchemars, cette voix-là. Oui. Oh non, chier. Quand je fais de la paralysie du sommeil, c'est Rainbow qui apparaît au-dessus de mon lit. Okay. On est prêts à partir ça? Ouais! Okay. Dans 3, 2, 1! Allô, Québec! Bonsoir! Hey, sold out quasiment au Comédia Club pour le festival Comédia Fest! Hey, vous êtes hot, Québec. Merci d'être merci, un vendredi soir à 6h. What? Chris avait rien à faire. Ça... Ah ouais, je rate encore mes vodka soda d'hier, moi, à cette heure-là. Oui, là. On sort d'ailleurs, nous autres, ce soir. Arrête de répéter. Là, moi, je suis brûlé par les deux bouts. Puis depuis que Rainbow est arrivé tantôt, elle dit « on sort à soir », puis elle sait la technique. Hein? Elle arrête pas de répéter la phrase « ce soir, on sort ». Puis maintenant, dans mon subconscient torche, ben je finis par me dévisser au shaker, asti. On va au shaker en plus. Non, non, c'est même trop douche. Bandé, ah, non, okay, non. Non, non, avant hier, j'étais ici. Là, la file d'attente me faisait peur du shaker. Là. Ah oh, non, j'avais des chars avec des ailerons, des queues, ça, de longue. C'est l'enfer. Wow, ça me fait penser à mes ex. D'ailleurs, j'étais encore célibataire, la gang de Québec, d'un coup qu'il y a un charmant jeune homme ce soir de disponible. Ça, je dis rien, mais lui, là, avec le chandail gris. Ouais. C'est quoi ton nom? C'est pas grave. T'es-tu de type hétérosexuel?
OK, ah, non, oh. Parce que c'est mêlant, les hétéros, ils mettent ça des colliers de perles à cette heure. On est rendu dépassé, hein, parce que je t'ai dit. Non, non, il est pas hétéro, là. Non, 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 non c'est sa fausse blonde à côté, ouais. Là. Ah, sa sœur! Ah! Ça... Non, non, c'est pas parce qu'on est à Québec qu'un gars a besoin d'avoir une fausse blonde, rien qu'au cas, là, franchement. Ben, mais, on sait jamais, on sait jamais. On est dans la pyramide, là, on sait pas. Penses-tu que t'es encore célibataire parce que tu te magasines toujours un chum pendant un podcast, asti? Pas ça la technique. Moi, je pensais que c'était mon attitude de merde, là, mais c'est un mix des deux. Ça, t'as quel âge? 24, 25. Oh, il est pas sûr! Pas sûr, hein? Mais c'est correct, c'est légal à 25. 18, mais c'est parce qu'ils l'ont pas carté, là, sinon il y a 16, je pense. Ah, non, 24-25, okay. Ben bravo, on a fait le tour, bravo, je pense, Anthony. 514-775. Moi, t'as le donné, t'es un peu. Non, non. Non, va chier. Ma chum, ça fait longtemps qu'on s'est vu, on est en pause d'été, comment on tu est... vas? Hey, ça va, écoute, j'ai une grande nouvelle. Pardon? Je fais pratiquement plus de reflux gastrique depuis cet été! Non, non, t'attendais que je dise, genre, j'ai commencé à faire de l'anal, puis genre... Moi, j'aurais été contente, ça te ferait du bien, ça te replacerait un peu, mais... Non, non, mais la seconde que tu lâches le Red Bull puis le poulet frit, t'as l'estomac en santé, là, c'est ça le secret? Ben, je suis bien contente, ouais. Je suis vraiment contente, je passe un bel été, je suis brûlée, oui. Mais j'ai très contente, toi, Mona. Ah, très contente de te voir, j'avais hâte. En fait, je me sens comme, tu sais, quand t'étais au secondaire, là, pis là, t'es pas à l'école, mais un moment donné, pendant l'été, je sais pas, pour l'impro, peu importe, le camp de jour, tu t'en vas à l'école pendant qu'elle est fermée, là, tu sais. Le genre de feeling de que si je collise ici, comment ça, on fait un podcast, on est en pause, mais je suis contente, ma chum! Wow! Peux-tu remettre à la mode MSN pis s'écrire après le spectacle? Hey, ça, ça là, le fun, MSN, les whiz, ouais. Pour te shaker l'écran, là. Ah ouais, genre, là, ton nickname, c'était, ça va pas bien, puis quand le monde t'écrive, tu veux pas en parler. Ah. C'est-tu que j'aimais ça. C'est les belles années de MSN puis LimeWire pour faire tout planter les ordinateurs. Ah, ouais, ouais. Ah, ça, dans là. J'étais straight, ça, d'ailleurs. Et Chris, en quelle année? Ça a duré combien de temps? Ah, oh, j'étais le pire straight, là. J'ai eu une blonde, j'ai jamais touché. J'étais pas... Non, quand je l'ai vu nu la première fois, j'ai fait mon coming out. C'est pas une farce, on allait faire l'amour, puis là, j'ai dit, ça fonctionnera pas, là, je suis molle, fait que... Fait que finalement, elle s'est mise à quatre pattes, c'est sa blonde qui l'a fourré. Non, hey, Chris, ma mère sera pas fière de moi. On n'a pas de commanditaire, mais si jamais vous aimeriez avoir un t-shirt avec des fautes d'orthographe, on vous invite d'aller sur le site rainbowjack.com pour commander votre t-shirt, votre crewneck en acrostiche. Si vous le voulez, pas de faute, commandez-les quand je suis en congé. Mettons, là, je vais peut-être le faire. Bon, on a un invité de marque aujourd'hui. Hey, je suis particulièrement énervé. Ouais. C'est pour ça que je suis pas strappé présentement, d'ailleurs. Là, Mais c'est beau ce que tu portes. Oui, mais vous, ça brille, là. Ah! J'avais du temps à perdre pendant la pandémie, la gang. Ah, je pourrais, là, je pourrais tuer pour pouvoir porter des chandails en filet avec rien en dessous, mais si je mets ça, c'est comme un rôti de porc ficelé trop serré, là. Non, c'est pas chic, mais non, on est... Non, t'es obligé de mettre des grands... Comment t'as décrit ton costume tantôt? Un sofa. Un beau sofa, mais un sofa pareil. Un sofa qui sent la cigarette, là, pareil comme je t'attends. Étonné. Là, on est excités comme deux vraies petites filles devant, genre Shawn Mendes, mettons, là, parce que on a un invité qui nous fait rire. Il est punché, c'est-tu qu'on l'aime? C'est-tu ça son nom, c'est Shawn Mendes? Il est chaud, là, il est cut. Moi, j'aime mieux Alan Théo, là, mais... C'est qui, Alan Théo, connaissez hey, ça? Hey, Lola! Oh, wesh, tabarnak! T'es en quelle année, hostie? Mais moi, après 2005, j'ai arrêté d'exister, là. J'ai Ouais. Non, mais Shawn Mendes, là, grand, grainé de même, asti. Non, non, il est pas lettre. J'espère qu'il est majeur, là, parce que sinon, on va couper ça. Un invité punché, intelligent, drôle, un génie, hein? Ah, moi, il m'a fait beaucoup rire aussi. Ouais. C'est un génie comique. Voilà. Multitasking, versatile dans tous ses rôles. Faut pas assumer de choses. J'ai pas assumé. OK. J'ai dit un vrai mot. Oui, ben versatile, c'est sexuel comme mot. J'ai... Non, toi, c'est Grindr m'a détruit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais il fait de tout, pour vrai. C'est non, vraiment génial. Il touche à tout, on là, va dire ça. On va le présenter parce que là, s'il reste 50 minutes, je vais être stressante de même tout le long, ouais. Quand on a un timer. J'ai, au lieu de faire son nom complet, j'ai choisi un petit sobriquet, hein, un petit surnom, c'est Guigui. Alors, on y va comme suit. On a un G pour garçon, un U pour humide. Là, j'ai pas été à l'école longtemps, là.
Puis après ça, tu dis que je fais des fautes, mais tes t-shirts va chier. Non, mais je suis hangover, j'ai fait de la grosse dick. Qu'est-ce que je veux te dire? Fait que là, I pour intensément, G pour grandiose, U pour ultérieurement, I inondé. Donc, garçon humide, intensément, grandiose, ultérieurement, inondé, c'est Guillaume Lambert! C'est donc bien le fun ici, mes belles madames. Oui, ben, j'aime madame, yish, là, mais... Mes beautés. Merci, comment vas-tu? Ben, ça va, straight de Montréal, là, j'arrive à peine, je débarque du char, j'ai vu le Ben Laleine, le Madrid 2.0. Oui. Bang, au Comédia Club. Hey, salut Québec! Hey, Seigneur! As-tu l'autorisation de porter la casquette? Absolument. C'est parti. Si t'as pas peur du psoriasis, mais là, là... Ah, c'est ça, ça pique déjà un peu. Ben, elle a le scalp en feu, ma chum. Mais, je sais pas quand j'ai lavé ma perruque pour la dernière fois. Ça, c'est un secret de star. T'avais une vidange dans tes cheveux. Le Ben Laleine! Ouais, c'est on ça, c'est en beau. On peut parler? Qu'est-ce que c'est ça? Y'a-tu quelqu'un qui connaît ça? C'est à qui, ce business-là? Y'a-tu déjà quelqu'un qui a acheté une grosse affaire en fibre de verre au Ben Laleine? Y'a-tu quelqu'un qui a dit « Hey, c'est à soir, on sort, on y va? » Comment qu'il vise, monsieur? Là, il vend de la peau. Les statues sont remplies de taupes, là, c'est sûr. Là. Yes, c'est clair. Wow. Ouais, ben ils ont raté leur Obélix aussi, je trouve. Oui, ils ont pas l'air d'avoir eu les droits. Ah non, il est malade. Là. Il est malade au sens littéral. Ah, ouais. Là, il est vert. Une couleur fin, phase terminale. Là, ah, je te dis, ouais, là. Ouais, j'aimerais ouais, beaucoup ouais, qu'il t'en fasse une statue en fibre de verre. Il y aurait des accidents, là, les chums devant Patlas. Mais il en vendrait, des moments en fibre de verre. Je sais pas. Elle serait sûrement plus chicks, là, ça, c'est sûr. C'est... Elle serait moins botchée du make-up. Une là, version t'sais. De moi qui suis pas. C'est-tu pas ça, la définition du rêve? C'est l'avantage de la fibre de verre. Wow. Tu suis-tu pas mal, toi, dans la vie? Ça m'arrive. Là, tu vois, j'arrive à la Guadeloupe puis je connais la sueur. Ah ouais, oui, je l'ai juste plugué mon voyage. Ben oui. Wow. Comment c'était? C'était chaud. C'était oui. chaud? C'était chaud. Il y avait une piscine, il y avait du rhum, c'était parfait pour moi. Ben, okay. T'étais-tu au Club Med? Non, j'étais allé au relais du moulin. Il y avait un moulin, fait qu'il avait pas menti là-dessus. Puis j'étais allé manger, puis j'avais comme un petit jour là, pour aller écrire des affaires. Fait que j'étais allé écrire des affaires. Oh, wow! Nice. Ouais. Tu vas-tu toujours dans le sud en voyage? Ou Très rarement, mais là, après 2 ans de pandémie, j'avais besoin de faire un voyage un peu cliché. Fait que j'étais allé où il faisait chaud, comme dirait... c'est qui? Marjo? C'est Marjo? Emmène-moi où il fait chaud. On le sait pas. C'est pas... comme un mix de Marianne Dufresne à Acapulco, là. Non, c'est non, pas ça. Pas Julie Mars. Emmène-moi où il fait chaud. Non, Julie Mars, elle a une toune, puis le reste, on s'en torche, là. Mais... Excuse-moi, quoi? C'est le deuxième album que j'ai acheté dans ma vie. Je suis un grand fan de Julie Mars. Moi, je le prends pas encore qu'elle soit partie avec Corey puis qu'on ait perdu notre Julie. Ah, il reste plus à Montréal, j'ai entendu là, un là, ouin dans la salle. Il reste au Bahamas, maintenant. Ah ouais. Mais non. C'était à côté d'où j'étais, en Guadeloupe. T'aurais pas allé la visiter. J'ai passé, mais tu sais, t'arrives sur le terrain de Julie puis Corey à chanter en contre-jour. Ça passe pas bien, t'as pas mis sur le dos. Il prend une petite marche là, devant la maison. Billy! Ce soir, j'ai les idées noires. Oui. Wow! Au Bahamas. Au Bahamas. C'est complètement la joie. Julie, elle sort, elle est comme, qui me connaît? Wow! Toi, t'es allé à quoi? Toi, Mona, t'as des vacances qui s'en viennent. Tu t'en vas où, là? À Charlevoix. Moi, me faire suer avec des colons, là, c'est que j'aime pas ça. Moi, j'aime ça, la forêt. Non, mais sans offense. Ben non, mais j'étais pas. Je comprends, là. Non, mais je suis pas si pire que ça en vacances non plus. Passer 25 degrés, là, j'ai un air de cul détempé dans la face. Là, ça frise. Ah oui, ça me rend mauvaise, la chaleur. Non. Ou ce qui fait frette puis que le monde se parle pas. Un rêve. Les couleurs sont-tu assez belles dans Charlevoix? Oui, mon Dieu. Ah, puis moi, n'importe où, ce que Ticoun a été élevé, Chris. Ben, ils ont fait une chocolaterie dans le garage à Ticoun, je pense. Dans le garage à Ticoun? Ben, pas le garage, mais il y a comme un décor. La grange, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la route panoramique, là. Tu peux aller là, tu peux être acheté du chocolat. C'est hot, je vais y aller, je pense. C'est là qu'ils ont tourné le show. Parce que c'est dans ce grange-là, Ticoun, il y a un épisode, il y a deux Américains bombes là, qui viennent crisser à marde, là. Oui. Puis là, ils font chier. Hey, écoutez ça, le temps d'une pêche, je vois vos faces, là, mangeons. C'est pareil. Ben, même moi, je sais même pas de quoi tu parles. C'est soit Noël ou Le temps d'une paix, ben non, voyons, c'est un classique. Deux ans. Pourquoi le temps d'une paix? Parce que ça se passe entre les deux guerres. Voilà! Ah! On en apprend des choses pareilles! Ouais, puis c'est ça, là. C'est Noël au Marie des Neiges, elle est dans la merde dans la grange, et là, Ticoun, là, en criant, ça en va piquer les Américains avec une fourche. Tain! Ah!
de l'action à revers, là, fuck ça, Terminator, oui. Là. Non, non. Le petit code m'a déjà enseigné à l'école de théâtre. Ça a fait être mon prof, moi aussi. T'es allé à l'UQAM, dans le fond. Je suis bachelier SRT. Félicitations. Merci. J'ai un bac en tag. Des études. Bac en tag. Ben, c'est ça. T'as-tu fait le cours où ce qu'ils disent marcher comme de la melasse? Ah oui, puis j'ai haï ça. Ah, tabarnak. Moi, c'est tellement pas pour moi, les ouais. exercices de théâtre. J'ai essayé, là. J'ai vraiment donné. Non. Ouais, j'ai lâché ça parce que les cours de théâtre de mouvement, la prof, elle m'intimidait. Elle me trouvait trop cave. Ah. Genre. Puis, tu sais, ben oui, quelqu'un lève le bras, puis là, tout le monde après fait. Moi, j'ai vu la naissance du fascisme. Ça m'a rappelé les quatre éléments. Il a levé le bras gauche aussi, là. Ah non. Ouais, je n'aime pas. Les meilleures études, j'ai étudié en loisir. J'ai une technique en ballon chasseur. Yes! Master en parachute. T'avais-tu des cours, genre, où vous jouiez au kinball, mettons, ça, c'est le fun en classe? Oui, à vrai dire, j'ai passé nombreux après-midi parce qu'on avait des cours sur l'organisation d'une activité de groupe. Fait qu'il fallait les réaliser, puis on était une cohorte de 70. Fait que des activités en crise. Fait que oui, j'ai passé des vendredis matin, pardon, à jouer au ballon chasseur, au kickball. C'est comme un cauchemar, ton affaire. Ouais, j'ai quand même aimé ça. J'ai un grand cœur d'enfant. Ah mon Dieu, le ballon chasseur, je trouve ça overrated. Mais oh, non! Hey. Ça finit tout le temps qu'il y a un petit gars qui le mange d'en face. C'est de l'intimidation sous forme de jeu, là. Complètement. On va prendre lui et on va l'attaquer tous ensemble. Ouais. Voyons. Ouais, ouais. C'est toujours le plus laid, le plus fuffy. On la connaît, la game. Ouais. On est chum, mais en commun. Rock Bière, que pour son anniversaire, elle a organisé un tournoi de ballon chasseur et j'ai mangé le ballon en pleine face, saigné du nez. Puis j'ai adoré ma journée quand même. J'adore. Fait que t'es parti en retraite écrire. Oui, on revient là. C'est-tu Inception, notre affaire? On est revenu comme dans une bonne temporelle. On commence le podcast non-stop, là. Là, il nous reste... Combien de temps? 44 minutes, tout le monde! Non, OK, bon. OK, on prendra des nouvelles de Ticoune au pire aller. J'ai peut-être son numéro de téléphone. Mais parce que t'écris un paquet d'affaires, je voulais juste souligner, là, te donner un peu d'amour, que t'es genre en nomination 1000 fois au Gémeaux, là. Voyons! Ah, je pensais pas qu'on... Ah, je suis gêné. Ah, franchement. Franchement. Ben, c'est sûr que, tu sais, de coller que t'es nommé au Gémeaux plusieurs fois avec une casquette de même oui. sur la tête. On l'oublie, à un moment donné, on s'habitue puis on dit, il a encore sa tête. On n'y croit pas. Ouais, mais si tu veux l'enlever, t'as le droit. Là. Non, c'est mon côté glitter. Je garde mes glitters de Québec. Comment tu te sens? Penses-tu gagner? Non, je sais pas, on verra. Sois coquille. Je sais pas. Tu sais, c'est l'émission, premièrement, puis moi, je crois beaucoup qu'une émission, c'est un travail de gang, puis j'espère que la gang va gagner, mais tu sais, déjà d'être en nomination, c'est la première fois que j'écris une série de fiction en télé. C'est toute qu'une aventure avec ma bonne chum Florence Nompré, fait que d'avoir vécu ça avec elle, déjà, c'est extraordinaire, fait que... C'est déjà beaucoup, mais oui, on va gagner. Ouais, ouais, absolument. Juste pour les gens qui ont peut-être pas vu, peux-tu me rappeler le titre de l'émission? Audrey est revenue. Ouais. Audrey est revenue, c'est quelqu'un qui était dans le coma et qui est revenu. Elle était dans le coma pendant 15 ans, une quinzaine d'années de sa vie. Donc, elle a vécu un accident de voiture quelque part en 2001, après son après-balle. Puis là, elle se réveille à 35 ans et la vie débute. Pour cette bonne chum. Ça fait deux fois que t'écris des affaires de coma aussi. Je suis comme rendu le spécialiste du coma. Je sais pas pourquoi. T'en as-tu déjà fait un? Jamais. Est-il qu'à tout le moins? Ça m'arrive des fois que... Oui. Ça... Oh, OK, là, on a de quoi de solide. Là. Okay. Oui. Un bon stinger, là, après l'autre. Oui, ça m'est déjà arrivé. Non, j'ai jamais fait de coma. Je suis comme, tu sais ça, pourquoi? Je sais pas. Mais en fait, tu sais, des fois, on a des obsessions, les auteurs. Ouais. Hein, puis, tu vois, Fabienne Larouche et... La police. C'est ça. Oui, la police. Là, Fabienne, là, on peut-tu, s'il vous plaît, arrêter? On a fait non, le tour. Non, je m'excuse. Toujours plus de police, toi? Oui. Hey, moi, quand le district a fini, là, j'ai braillé. T'as à cause d'eux autres qu'on peut être parade. Unité 9, là, je braillais aussi. Ça, là, Marie Lamontagne, ça, là, Jeanne. Moi, j'ai eu peur, moi, quand il met un sac de plastique sur la tête, puis Marie-Chantal Perron l'a trouvé, j'ai eu peur à ce moment-là. Oui, quand même. Ouais. Moi, c'est une excellente comédie, là. Hey, quand Micheline Langto se fait gonner. C'est pas vrai, je l'aime, Micheline. Je l'aime d'amour. Hey, moi, j'ai une de mes amies qui... J'ai une amie qui jouait dans une T9, puis Myriam Côté, c'est elle qui étranglait Larry Le Wolf dans la toilette. C'est vrai! Hey, puis c'est drôle, là, quand je l'ai revue, j'étais fâché après mon amie, mais j'étais comme... Tu sais, quand t'embarques trop dans la game... Parce qu'elle a saucé Larry Le Wolf.
Oui, elle l'a mis dans le bol. Ouais, mais elle a tout vu ça venir, là, Arlette pis tout. Elle s'est dit, j'ai pas le choix d'intervenir. Il sera pas diffusé grand public, cet épisode-là. Je vous ai déjà trop mis dans la merde, je pense. On s'excuse. Mais correct, mon Dieu, j'ai jamais eu de scandale encore dans ma carrière. Fait que ben que ça parte. C'est la première fois avec deux drag queens, là. Enfoncer le clou dans le cercueil du monde qui aime plus ça sur Facebook, les drag queens. T'as-tu vu ça passer? Jamais. Hé, hey, sacrament, là, tout, à chaque fois qu'il y a une photo de drag sur Facebook, le monde commente « Jésus revient ». J'aime ça. Ah ouais, j'ai le goût de répondre des fois. Oui, il revient, puis il est pas Tom. J'ai vu son grandeur. C'était ça, la grande crucifixion. Ah ouais. Wow! Il n'y a pas des trous dans les mains pour rien. Qu'on laisse. Plus de trous, plus de fun. OK. Ben, j'avais dit mon premier scandale, je demandais pas tant. Ah non, mais c'est ça, il faut que tu me le dises, il faut que je dose. Non, let's go. Hey. Non, mais tu sais... T'es rouge, Guillaume, ça va-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Ma casquette de l'autre. OK, de l'autre part. Il est plus fier de Québec. Non, mais tu nous as dit que tu l'as déjà écouté. Tu devais le savoir que... Mais oui. J'étais un copse qui ont trick quand même, mais... Moi, c'est ça, là, les drags, ça lève putain. Mais toi, t'es-tu un grand fan de drag? Tu sortais-tu pas mal d'un club? Ben, premièrement, j'ai la même date de naissance que Mado Lamotte. Wow! Fait que déjà, on est liés par le destin. 31 janvier, là, pour les intéressés. Mais pas puis, l'année, là. Non, pas l'année. Non, 150 ans, là. Mais non. Elle est née un siècle avant moi. Ouais. Puis, la pandémie a eu ceci de bon. J'avais jamais écouté un épisode de RuPaul. Puis là, le 13 mars 2020, j'ai pesé supplé. Puis j'ai jamais arrêté. Et à ce jour, j'ai tout vu maintenant. C'est comme une drogue, hein? C'est parce qu'il y a tellement d'images qui bougent vite, des bruits, non? Là, t'es comme... Michel Visage! J'ai 38 ans, j'avais 22 la semaine passée. Exactement. J'ai passé ma vie là-dedans. Ma vie a passé un clignement d'yeux à cause de RuPaul. Ouais, j'ai envie qu'on crée un débat. Ta drag queen, je vais vous poser toute la question. Votre drag queen préférée. Mais là, avec la dernière saison de All Star, j'ai un gros crush sur Jinx. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est ça. Oui! Ah oui, Jinx, t'es cœurante, là. Ouais. Meilleur joke de l'année 2022, voit Jinx Monsoon pour son rose, là. C'était tellement drôle. Ah oui, là, absolument. Ça. J'ai beaucoup aimé le dernier lip-sync de Sacha Velour, là, le reveal avec les pétales, un classique, évidemment. Mm-hmm. Grand fan de Money Exchange, grand fan de Chez Coulé, très énervé qu'elle rejoigne les super-héros. Absolument. C'est vrai, son single, il est bon, en plus. C'est bon, sa musique. Toi, Mona? Bob, Jinx, Bianca. Ben oui. Comiques, hein, ça me rassure. Peut-être qu'il y a une issue à cette affaire-là, maintenant. C'est ça. Ouais, non. Eux autres, toi, c'est qui? Moi, je suis Team Bianca Del Rio, all the way. Mm-hmm. Et Manila Lausanne. On l'aime, mais Detox, oui. Detox. Artiste incroyable. Ouais. Apparence qu'elle revient, là, sur un... c'est vrai? Un All-Star ou un Versus the World, je pense. Reviens-tu avec Roxy puis avec Alaska aussi? Je sais pas, c'était-tu gossant, ça? Oh, mon Dieu, Roxy était pas dans la gang. Ah, ouais, vraiment. T'as-tu commencé de la saison 1? T'es-tu allé dans l'ordre? J'ai scrappé les trois premières, là, quand même. Ouais, on s'en est. J'ai accéléré des petits bouts de ces trois premières. J'ai commencé à 4. OK. En fait, c'était la 11 qui était en onde au début de la pandémie. Puis là, ça, c'était... comment qu'elle s'appelle, là, celle qui ressemble à Oprah Winfrey. Là, voyons. C'est qui, notre mec Ganache? Oui, merci. Fait que là, j'ai commencé là. Après, j'ai reculé à 4, puis là, je suis parti pour le grand voyage. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai tout vu les All-Stars, puis j'ai tout vu. J'ai skippé les célébrités, ça m'ennuie. Ah non, c'est plate. Il n'y a rien de plate que ça. Ah ouais, moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Si un jour, tu devenais une drag queen... J'ai déjà des noms. Oh, Pella! Oh! OK. Des noms? OK, ouais. Je veux ton nom et le style de drag slash les chansons. Mais les noms, là, du moins pref au pref, mettons. Ah, ça, je sais pas. Là, j'ai pas fait cet ordre-là. Okay. Mais tu sais, moi, je viens de Sorel-Tracy, fait que j'avais pensé à Tracy Sorel. Ouais. Wow! OK, merci. Quand même. J'ai pensé à Victoria Jubilee. Victoria Jubilé, popée. J'ai pensé à... Il y a tellement gay qui ont resté figés. J'ai pensé à Diana Diarrhea. Ah, ça, Diana c'est Diarrhea. Bon. Ah, après, c'est le fun, c'est comme une chanson. Je Diana sais. Diarrhea. Je sais. Ah, ouais. Je sais. Puis là, dans mon prochain film, Niagara, il y a un personnage de drag queen qui s'appelle Kencel Couture. Oh! Wow! Ah,
mind blown! Ben oui! Wow, OK, ça, c'est hot. Il y a quelqu'un qui écrit en ce moment une affaire avec des drags aussi, puis je sais pas l'équipe qui a travaillé là-dessus, mais je vais le dire, je m'en calisse. Poursuivez-moi, je suis pauvre comme la dèche, hostie, mais il y a une drague, là, qui s'appelle Clémente Religieuse, et ça m'écoeure. Ah, ça m'écoeure. Ouais, Clémente Religieuse. Ben non, voyons. Hey, mange des morceaux de vite. Ben non. Je me souviens plus. Je pense que c'est j'ai une de mes amies, un soir, elle a fait Draking. Puis elle, son nom, c'était Alain Parfait. Et j'ai trouvé ça malade. J'aime ça. Ouais, Alain j'aime ça. Mais c'est comme un jeu de mots trop clever qui me gosse. Ça me donne envie de puncher dans le J-Proc, ça, tu sais. Te donne envie de puncher dans le J-Proc. J'ai besoin de consulter pour sa presse. Mais moi, finalement, ça s'est concrétisé. Tu sais, j'avais un rêve qu'un drag king s'appelle Pablo Restobar. Yes! Et ça s'est fait, hostie, n'a eu un. Yes! Ouais. C'est-tu ton intervention personnelle? Hein? C'est-tu ton intervention personnelle? Ouais, je l'ai dit à tout le monde qui fait du dragging la première fois. Je suis comme, as-tu songé à Pablo Restobar? J'aime beaucoup ça. Ben ouais. Puis, ça serait quoi le genre de chanson que tu ferais ou ton style de drag? Julie. Pour mon film, j'ai enregistré une chanson de drag queen et c'est moi qui chante. Hein? C'est voyons donc! C'est une chanson de drag, genre, bitch, I want the crown, bitch, bitch. Oui, j'ai full copié, genre, Priyanka et compagnie. Allé, à fond, ça s'appelle DRAG, stands for drag. Ouais. Puis oui, c'est pas pire, c'est Laurence Nerbonne qui a fait la musique. Puis c'est toi qui chante. Puis, ben, c'est parce qu'on avait pas d'argent pour engager quelqu'un d'autre. Puis on était rendu en fin de production, on avait plus une scène, puis je voulais Peaches, puis Peaches, la charge ben trop cher, fait que j'ai dit, m'en faire la toune. Fait que là, j'ai fait la toune, puis là, finalement, on était au studio, Laurence Pimon, puis on a dit, c'est quoi notre vie? Et finalement, c'est peut-être le hit de l'automne, sait-on jamais? J'adore. Rouge non-stop, là, DRAG. Ah ouais, c'est pas pire. Non, il y a des bonnes lignes. C'est fou, on a des scoops meilleurs que Québec Scoop, esti. Yeah! Ouais, ben, moi, quand je me déplace à Québec, je viens pas pour rien. Ben oui, non! De toute façon, ça sort tard, là, ça va... C'est ça. On sort à soir? Non, on sort pas à soir! Arrête, hostie! OK, mais mettons, tes artistes diva pref, là, que c'est sûr que tu performes là-dessus non-stop, là. Hey, je sais pas. Mettons que le monde va se tanner, là. Elle, c'est Shania Twain. Hey! Je sais pas. Ah, tu veux dire, mettons, je vais au karaoké qui chante? Ah, ben, mettons, parce que ça, sûrement que ça se transforme. J'aime beaucoup chanter I Wear My Sunglasses at Night de Corey Hart. Oh mon Dieu! Je trouve que c'est une bonne tune. Je trouve qu'elle est comme high pitch. Là. I wear my. Tu sais, j'aime ça, comme elle est fun et comme vibrato un peu. Avec tes yeux de maniaque en I wear my sunglasses at night. Puis, non, ça, j'aime ça. Mais ça m'a pris du temps à apprivoiser le karaoké. Il y a eu des grands moments dans ma vie où j'haïssais ça avec violence. Pourquoi? Parce que j'haïssais ça avec violence. C'est-tu le... Ah, je suis pareil comme... Là, t'aimes le karaoké maintenant? Ouais. Il faut que je sois un peu chaud d'ail. Là. C'est pas l'eau Perrier qui va m'aider à aller faire du karaoké. Bon, on se fait-tu des shots de Stinger? Bon, ça part. On est ça au bord des Stingers? Non, ils ont vodka ou gin. Vodka! OK! Si on veut sortir à soir, il faut un primer. Hey, arrête, il est un peu tôt, c'est 5 à 7, tôt, il commence. Ben, mes 5 à 7, ça peut pas. Moi, le karaoké, j'adore. Même pas. C'est rare que je vais y chanter, mais on sort beaucoup là, avec mon sac rapproché, puis c'est toujours au club date. Allez-y, date, là où il fait bon vivre, mais. Non, j'adore, là. C'est vraiment le fun. Ah, vous êtes pas team Normandie, vous autres? Vous êtes plus club date? Ça dépend à quel point c'est crowded, je te dirais. Depuis Clara Fabien est allée au club date, c'est sûr, il y a une affluence. Ouais, mais c'est elle est là? Ben oui, elle est allée chanter Je t'aime, je pense. Oui, ça. Oui, elle a été. Oui. Ouais, Marie-Mé aussi est allée chanter Mais ils vont toutes là, Marie-Lou, 2-3 fois par jour. Non, Marie-Mé. Ah, oh, j'ai compris Marie-Lou, j'ai trois tasses de farine. Non, mais ça a l'air qu'elle a sorti. C'est-tu elle qui a-tu déjà sorti une toune? Ça s'appelait Au milieu de mon écart. No joke. L'album de Marie-Lou, ça... Exactement. C'est onde au vagin de Marie-Lou, là. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Non. Dans le temps d'Alex Champagne, tu sais. Non, c'était avant ça, là. Elle était jeune, là. Je suis même pas sûr qu'elle était majeure. Hey, non. Ça s'appelait Au milieu de mon écart. Là, il faut vérifier sur Internet. Non. Il me semble que c'était ça. Ouais, c'est ça. Il y a un nouveau René Angelil dans le milieu, là. Il y a pas une fille de 15, il a dit « Chante à propos de ton vagin », puis... Ah, ouais, c'est bien ça. Marie-Lou, elle a une très belle voix, Marie-Lou. Faut dire qu'elle a une très belle voix. Elle a une belle voix, mais Marie-Lou, c'est là pour moi, comme un ange au paradis. C'est juste ça, là. C'est uniquement cette chanson. J'ai aucun souvenir de quoi tu parles. Ben non!
Vous, la toune, là, elle ne chanterait pas, Chris, là. Mais oui, on va rire. Ah ouais, let's go, t'aimes ça, le karaoké. Non, moi, je chante plus, là. Je chante plus, mais là, pour moi, là, avec Nico. C'est Ginette Renault, ça. Nico qui? Hein? Gino qui Nico. Bon, la première fois qu'on a entendu Marie-Lou chanter, c'était avec lui. Pas folle, c'est la fureur. Des shooters de vodka au champagne. Mon Dieu. Ah, mais un instant, Gino Quilico, c'est pas un vrai nom, ça, Chris. Ça, c'est un nom drag queen. Gino Quilico. Ouais, absolument. J'ai hâte qu'il y a une drag queen aussi qui s'appelle Diane Bette de type 2. Ça, j'adore ça. Ça. Hey, ça s'est bien passé, ton pauvre. Ça s'est très bien passé. Santé, merci. Santé, hey, santé, la gang. Salut, Québec. Ah oui, c'est de la vraie, là, on y est pas. Ben non, voyons. Oui, j'ai l'impression que je me suis désinfecté l'intérieur. Ouais. Fait que t'es pas une sorteuse d'un karaoké, c'est quoi, mettons, tes sorties idéales? T'es-tu quelqu'un qui vire pas mal? Donne-moi 10 secondes, je vais digérer ça. Elle aime ça, sortir. Il reste encore du temps. J'ai rien senti. Suis-tu une sorteuse? J'ai eu mes bonnes années. Là, ouais. Mon horaire me le permet pas. Là. Je tourne tôt sur l'échappée ces temps-ci. Fait que okay, ouais. C'est sûr que 5 heures le matin à Sainte-Alice... T'as pas brossé la veille, là. Ouais. Mais c'était où ton club, mettons, où t'avais à sortir? Je sais pas. Pourquoi choisir? Mais t'étais-tu plus quelqu'un qui aimait aller dans un bar ou aller danser? Je danse mal. Ça, si tu veux me faire fâcher, sortir d'un club où ce que le monde danse. Oui. Non, je veux être assise. Ah oui. Je veux me splasher en paix. Je veux Je te file. Moi, je suis full bar à vin nature. Là, c'est ça. J'ai l'air d'un cliché avec une casquette de Québec sur la tête, mais c'est vrai. Là. Oui. Je suis très foodies. Fait que je suis très. Moi, il faut qu'il y ait de la nourriture. Puis ça fait ça, cette affaire-là. Je vois pas. J'ai perdu la vue. Là, je. En fait, on a parlé d'une T9, c'est de l'alcool de prison. C'est ça, hein? Mais je t'arrête de me refaire du reflux, moi, finalement. Là, je retire mes paroles de début. Moi, je m'ennuie de sortir d'un club. Là, d'aller dans... Moi, j'étais très team Unity dans le temps. Là. Ah oui! Ah, danser sur un cube au Unity en chess. Ça te faisait sentir comme un fureur, mais un peu saoul. Un peu plus cheap aussi. Là. La belle époque. Tout ça a commencé, t'as commencé à jouer quand même pas longtemps après l'école, me trompe. J'ai fait 10 ans de figuration sur La Promesse. Si quelqu'un veut réécouter le téléroman La Promesse, sachez que j'incarnais un chocolatier. Wow! Guillaume Lambert à Cabosse d'Or, il est comme ça, c'est au lait. J'étais figurant, je parlais pas. J'étais là pendant que les personnages de Mélanie et Luc, qui étaient respectivement joués par Evelyne Brochu et Sébastien Poupou, là. Moi j'étais en background et là j'observais ce qui se passe. Un chocolatier de type mystérieux. À un moment donné, là, j'étais content. Là, c'était mon premier permis UDA. J'arrivais, puis là, je fais « Luc, il y a quelqu'un pour toi. » C'est ça. Je suis plus jamais revenu. La tête grosse de même. Il a dit une phrase sur La Promesse. Non, mais c'est parce que j'étais plus figurant. J'étais rendu rôle parlant, fait qu'ils m'ont plus jamais réengagé. Parce que tu peux pas redowngrader. Non. T'as-tu aimé ça, faire de la figuration? Pour vrai, ça m'a appris beaucoup. J'ai beaucoup observé, puis je pense que j'ai un grand respect des équipes de tournage. Puis j'essaie de le transposer, mettons, sur les films que je réalise à cause de ça. Tu sais, genre, je comprends les rôles de tout le monde. Je suis pas un acteur ben star. La mécanique sur le plateau, j'en l'ai. C'est ça. Je fais « Ah, lui, il fait ça. » Puis là, il fait ça. Mais là, c'est du monde comme nous autres, ça, là. Oui. C'est des très longues journées de tournage aussi. Le staff sur une équipe de tournage a tout mon respect. Là. C'est le monde qui travaille fort. Là. L'autre fois, il transportait des poches de sable. Puis j'étais comme « Oui, hey! » Il y a de quoi faire une bursite, certain. Hein? Oui. C'est punché, poches de sable. On jase entre filles. Mais je veux savoir, là, t'as fait 10 ans de figuration. T'as sûrement bûché comme une donnée. Ben là, après, j'étais arrivé dans le clip de Marimé. Puis là, après, j'ai enchaîné back-à-back le clip d'Annie Blanchard. Pardon! T'étais dans Tu t'en fous. Non, j'étais dans C'est moi. Arrête! J'ai un médecin bionique. C'est moi qui l'opère, tu sais, elle est comme un robot là-dedans, les cheveux noirs, dans sa passe 3.0, j'ai les cheveux noirs, Marimé. Ouais. Ben, moi, j'étais un docteur bionique, puis là, j'y donne une piqûre, puis après, elle est capable de faire ce qu'elle a à faire. Le docteur aussi, c'était un robot. Non, j'étais juste bionique là-dedans. OK, docteur. On était comme une équipe de docteurs bioniques, okay, là. Comprends. Puis après, j'ai enchaîné avec Aide-moi à passer la nuit, d'Annie Blanchard. Où là, je jouais un barman country. Oh, pelaille!
Mais mon casting est tellement large. Mais ma palette, chocolatier, Barman Country. L'UDA fait plus de moche qu'on le pense quand même. Ouais. Puis moi, j'ai une question, là, parce que moi, je t'ai découvert dans une série qui a marqué plusieurs Québécois dans Like Moi. Ben oui. Comment c'est arrivé, ça? Comment la propos? Parce que c'était complètement éclaté comme concept, ben là. Ben oui, ben pis... du grand Marc Brunet. Ouais. Comment c'est arrivé? Écoute, c'est tellement une suite de hasards. Je suis sorti en 2016 de l'école. Là, il s'est rien passé, la chocolaterie, Marimé, tout ça. Mais j'avais fait un court-métrage qui s'appelait « Toutes des connes ». Et ce court-métrage-là est arrivé dans les mains de l'équipe de Like Moi. Le réalisateur Jean-François Chagnon, la réalisatrice Isabelle Garneau, la productrice José Fortier, puis Marc Brunet. Puis là, j'ai eu une audition pour Like Moi. Puis c'est l'affaire la plus bizarre de ma vie parce que le texte faisait comme 7 pages. On est arrivé dans un immense studio. Là, j'ai fait le texte une fois, puis ils m'ont dit merci. Puis là, je suis parti dans la honte. Parce que d'habitude, tu sais, ils te dirigent, puis là, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Puis là, tu t'en vas, puis tu dis, j'ai fait ma job. Puis là, j'avais fait une fois, je suis parti. Puis là, plusieurs mois après, j'ai reçu un appel, puis on m'a dit, tu l'as eu. Et là, j'ai eu quoi? Le clip de Marie-Mé. Plusieurs mois, t'as eu le temps de prendre ton bec avec un toaster, de brailler dans ma vie. Là. Oh, ouais. Puis finalement, ils m'ont signé pour 4 jours. Fait que j'étais là, ça va être cool. Tu sais, je vais peut-être être le serveur en background parce que c'était Catherine Levac puis Adib Al-Khalidi qui étaient les deux têtes d'affiche. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé à tourner ça. Puis à un moment donné, je recevais des textes. Puis là, je faisais, c'est moi qui dis tout ce texte-là. Fait que ça m'a pris bien du temps à comprendre que j'étais dans Like Moi. Genre 2 ans. Et Pelay! Mais pour vrai, j'étais sûr que c'était le show de tout le monde. Puis que moi, j'étais bien content. Là, j'arrivais de la promesse. Fait que la barre était pas haute. Puis c'est ça. Fait que toi, tu faisais des entrevues dans le déni, genre, pendant ce temps-là? Il y a Gabi Gravel, il y a le phénomène Gabi Gravel qui est arrivé. Fait que Florence a eu beaucoup d'entrevues. Puis tout ça. Puis moi, j'étais bien content d'être dans la gang. C'est là, j'ai une job, tu sais. Enfin, je suis plus serveur. Fait que, pas vrai. Puis voilà, c'est ça. Fait que on a fait 5 ans de ça. Puis il n'y a pas une journée où je m'ennuie pas d'avoir une perruque sur la tête. Là, c'est ça. Est-ce que ça te manque? Ah, sans arrêt. Mon Dieu, que c'est bien écrit. Hey, tu découvres le texte, puis tu ris. Tu passes ta journée à rire. Mais cette série-là, ça a été du génie. Puis selon, tant qu'à moi, ça, puis les Appendices à relancer Télé-Québec, là, c'est... Ben, les Appendices, c'est un peu la même gang. Là. On est un peu la même famille. Sonia a intégré Like Moi. Jean-François Chagnon, qui était dans les Appendices, a réalisé Like Moi. Fait que c'était un peu la même gang. Qu'est-ce qui est arrivé à Dominique Monplaisir? Sais-tu de qui je parle? Il y a une pique. On le salue. Est arrivé, mais je pense qu'il est stand-double pour Simon-Olivier Fecteau sur le bye-bye quand il veut pas faire ses cascades. C'est pas vrai. OK. C'était comme cool. Okay. Non, je sais pas. Tu lui demanderas. Je pense qu'il réalise. Ils réalisent tout. Ils sont bien débrouillards, ces gens-là. Fois qu'il y a pas de monde se calisse de ta question. C'est ça, là. On l'a avec nous. Moi, j'en ai une question. Ça a été quoi? Je suis très fangirl présentement. Ça a été quoi le personnage le plus difficile à jouer parce que vous étiez crampé sur le set? La première fois qu'on a fait « Je choisis Jonathan », c'était vraiment très difficile. Parce que ça n'existait pas, fait qu'on était en train de le créer. Puis là, on a chacun été préparé, chacun de notre côté. Fait que là, tu sais, Catherine est arrivée avec ce look-là, puis moi, je suis arrivé avec mon mohawk sur la tête. Puis là, comme j'étais vraiment plus petit que les autres gars... Ensemble, tu sais, Marc Brunet était là, Jean-François Chagnon était là. Puis là, on s'est dit, on va faire le reveal sur rail, mais mettez tous les gars sur des boîtes de pommes, fait que je vais être encore plus petit. Fait que là, c'est là qu'on a juste vu, genre, mes petits cheveux dans le chat. Puis je pense que c'est là que je suis né, comédien. C'est comme cette affaire-là. C'est ça que tu dirais qu'il était, genre, ton thème. Non, ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup plus tough, curieusement, de ne pas parler que de parler. Parce que quand tu parles, tu te concentres sur le texte que tu as à dire. Ouais. Fait que tu décroches pas tant. Mais quand tu parles pas, puis que tu as les yeux un peu cross-eyed, puis qu'il faut que tu regardes le monde, puis à un moment donné, tu sors de ton corps, tu fais ton voyage astral, puis tu te rends compte que tu es où dans le monde? C'est là que t'es fragile. C'est complètement fou. C'est là. J'ai regardé les bloopers, justement. Là, On n'a pas fait assez de bloopers. De Like Moi, puis ceux que j'ai le plus éclaté de rire, c'est Je choisis Jonathan. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, il y en a un, je pense, Florence, elle vient pour dire un mot. C'est drôle. Mais ça c'est du grand Florence Lompré, parce que Florence, elle partait de très loin. Elle se disait, tu sais, moi, je vais partir l'autre bord de la rue. Puis vous allez dire action, puis je vais rentrer, puis vous allez attendre pendant ce temps-là. Fait qu'elle partait de très loin. Fait qu'on entendait juste ses petits talons arriver.
dans deux minutes. Puis là, elle arrivait sur son X. Elle regardait son X, elle se plaçait, puis elle disait « Bonjour. » C'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais vécue de ma vie. Après qu'on lisse de vous faire languer deux minutes de table, on dit « Bonjour. » c'est des génies comiques. Est-ce que tu réalisais ça sur le set, mettons, que t'assistais genre à naissance de d'affaires que le monde va citer dans le party de Noël? Jamais. C'est capoté. Ce show-là nous a tellement apporté. Il n'y a pas une journée que... C'est ça. C'était quelle aventure. Je reprendrais ça n'importe quand. S'ils veulent nous sortir là, dans 20 ans puis faire un reboot de Like Moi, là, I'm in. Take my money, je le produis. C'était fou. Puis le casting était du génie. Il y avait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas vraiment et qui sont devenus des méga... Ben, des méga vedettes quasiment, là. Mais aujourd'hui, je suis ici, puis j'ai une casquette. Ben, qu'est-ce? Et bien, là, c'est la consécration de ta carrière, mon Guillaume. Hey, yes. Un podcast de deux drag queens, un peu. Je veux qu'on parle, astie, du 10 ans où t'as bûché en chocolatière. Ça me fait capoter, ça. Pour vrai, je suis focusé là-dessus. J'ai foncé dans le mur, j'ai eu mon blooper, c'était fait. Nice. Ouais. C'est vrai. C'était plus payant que de faire la figuration. Ah, parce que quand tu passes des bloopers, c'est un cachet quand même. Là. Oui. Ah, ouais, puis ça, repasse, astie, c'est parti, puis... Filler Queen, là, pif, puis paf. Ben oui. Mais ton audition, la plus gênante, la pire que t'as faite, t'es sortie de là en disant « Hey, je vais devenir serveur, je pense. » Ah, l'ensemble de ma carrière. Ben non. Je sais pas. Ça, là, c'est comme quand tu te lèves le matin, puis des fois, tu te dis « Oh, ça va être une bonne journée. » Puis des fois, tu te dis « Oh, ça, non. » Puis, mais pour vrai, avec moi, c'était pas tant une bonne audition. J'étais bien surpris qu'ils me prennent. Ouais. Ils nous l'ont repassé à un moment donné. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait « Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Tout le monde est tellement talentueux, qu'est-ce que je fais là? » Mais sinon, oui, des fois, tu sors. Ben, il y a beaucoup de pubs. Hein. J'ai fait beaucoup de pubs. J'ai joué un hot dog. Ah! Mais ben, c'est payant faire de la pub, par exemple. Ça dépend. Oui. Ça assurait son arrière. Mais j'ai fait beaucoup de Bro et Martino aussi. Ben... Ça, les gens n'étaient pas contents de ça. Je tapais ses nerfs au monde. Tu sais, les trois gars, au début de 2011, devant un cyclo blanc qui hallucinait sur leur grosse téléplasma, c'était moi. Oh, tabarnak! Ah, il semblait que ta face me disait de quoi! J'avais des gros cheveux de Nick Carter séparés par le milieu, très 2011. Oh, wesh! Genre, genre un peu une coiffure ramen, là? Je sais pas. Non, pas ramen du tout, là. Vraiment plat, mais vagué. T'as pas fait, parce que là, 10 ans quand même, il y a une urgence de vivre. Il y a une urgence de vivre. T'as pas fait des auditions genre, OK, je vais être un clown d'une fête d'enfant. Ben, pas. Non, pas ça, je peux pas. Ça, je suis très mauvais. J'ai l'air. Si tu me déguises en clown, j'ai l'air d'un clown qui veut sa cigarette. Là. OK, ouais. Ça bon, marche pas. Que t'as l'air, t'as l'air de Mona. Ah, j'ai l'air de. C'est bon. Les enfants pleurent. Là. Les enfants sont Chris, pas contents. T'as pas comme stretché ton univers de possibilités à faire des trucs qui se passent. Non, mais tu sais, moi, j'ai fait plein de job d'envie, là. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, entre autres, parce que je travaillais pas beaucoup comme comédien, mais tu sais, je peux pas... Non, moi, je respecte vraiment... T'as regardé ta montre, c'est-tu plate ce que je dis? Non, c'est une blague. Ah, pas une blague. C'est une joke. Hey, c'est tellement une joke. Excuse-moi, c'est tellement... Ça se peut que tu regardes ton rythme cardiaque pour savoir si t'es en vie après ton shooter de... ta coupe non, de champagne de vodka. À quel point je vais me chier dessus. Hey, t'es sûr? T'es sur Gmail, là, c'est une lettre. Non, mais maman, tu fais? J'ai commandé son Uber. Pour aller au drag. Non, mais j'ai acheté une Apple Watch et je ne la comprends pas. Ça me dit des messages genre, levez-vous, puis je suis comme, hey, gère toi, calice, là. T'es pas ma mère, c'est pas ma mère. Oh, petite poignée. Ah, wow. Ouais. Ben, c'était une belle, c'était le bon moment de faire ça. Regardez sa montre. Non, garde-la à ta montre. Attends. Ben non, bon, on l'a fait tirer. Yes. Non, Mardon, qu'on lisse, toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, parce qu'on a reçu Debbie. Oui, qui nous contait. C'était quoi son audition, l'affaire de beurre de peanut, là? C'était dégueulasse. Ah, c'était une audition pour le Cirque du Soleil. Ouais. Puis elle devait faire un numéro de clown, puis elle l'a fait... avec du beurre de peanut, il fallait qu'elle fasse des toasts. Ben oui, c'était un appel à l'aide. Tu t'es pas fait vivre ça, tu t'es respecté quand même tout au long. Là. J'ai posé mes limites et j'ai dit stop. Ouais. Ouais, non, il y a des affaires, tu sais, c'est pas pour toi. Tu sais, je sais là, de quoi mon casting a l'air là, d'un lutin. Fait que je vais pas aller jouer dans le même game qu'Éric Bruno. Là, non, des fois tu dis, hey, ça, je préfère passer que de subir l'humiliation puis de payer 500$ en psy. Là. Ouais. Mais c'est complètement fou. Surtout des fois en début de carrière, c'est difficile de faire comme.
qu'est-ce que je fais? Je paye pas mon loyer ou j'y vais? Ouais. Ça t'est arrivé? Mais je me suis souvent ramassé à plein de places. Là. J'ai fait du casting, après j'ai commencé à écrire. Après j'ai fait... T'sais, j'ai tout le temps fait de quoi? Moi, je suis comme un jobber dans la vie, plus qu'un comédien, un réal, un scénariste. Mm. Tu me mets quelque part, puis à un moment donné, je trouve de quoi à faire. J'ai toujours été de même. Mon père, c'est un inventeur. Il invente des affaires. Ben, pardon? Oui. Mon père, c'est Albert Einstein. Ah! Non, non, mais mon père, c'est un patenteux. Il est comme, il arrive. Et là, Denis, il est comme... Oh, c'est ça qu'il fait dans la vie, mettons? Ben, c'est un machiniste. Ça a été un gars d'usine toute sa vie. OK. Puis là, il arrive à quelque part. Il voit la table. Il fait ça, c'est croche. Ça, c'est agnant. Là, il invente de quoi? Puis là, la table, je te jure, elle est parfaite. Un bout de carton en dessous de la pâte. Non, c'est ça. Non, il invente une vraie affaire, là. C'est vrai que tu le rencontres. Ben, je sais pas, là, il va. Mais, patenteux, tu saurais le tracé, par exemple. Ça, Chris, ça me parle, là. Mais qu'est-ce qu'il a inventé, mettons? Il a-tu dit, en fait, t'étais comme pas. Ben, c'est lui derrière le chamois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Wow! Le slap-chop, le chamois. Oui. Ah, ouais. Non, mais il répare des affaires. Mon père, c'est ça. C'est ça, il répare des affaires. Y a-tu essayé de t'embarquer là-dedans quand t'étais jeune? Tout le temps, malheureusement, mon cerveau comprend rien. Ah ouais. Ah si, ça parle. Ça, il parle, puis là, dans ma tête, ça fait « essaye d'écouter », puis là, je fais « ah, je suis désolé ». J'ai abandonné au mot genre « viens, je vais te montrer quelque chose ». Ah ouais. Hein. Oui, mais il a toute mon admiration, pour vrai, parce que c'est ça, il réinvente la roue, comme on dit. Ouais. Mais il a jamais eu de brevet là, pour ses affaires. Ouais, là, mais il m'arrive tout le temps avec quelque chose. Son père était de même. Le monde sont de même dans la famille. C'est toujours pratique, un patenteux. Ah, ouais. C'est pas toujours chic. Là. Des fois, t'es mieux d'aller au vrai garage que de coller deux tailles rap sur ton bumper qui est défoncé. Là, Complètement d'accord. Maintenant, il y a des gens qualifiés pour le faire. Mais j'admire ça. Là, ça prouve une grande intelligence. Ouais. Une vivacité d'esprit. Mais ton père qui est un... C'est-tu un monsieur, là, quand même? C'est un bon monsieur. Il est bien smart. T'sais, mes parents, c'est Denis pis Denise, pis c'est vraiment ça. Merci. C'est pas vrai! Oui! Mon parrain, ma moraine, c'est Sylvain Sylvie, ça m'a toujours fait buzzer, ça. J'ai dit tabarnak. Ils se sont-tu fait matcher à naissance par deux couples? Denis pis Denise. Ouais. On va le présenter, mesdames et messieurs. Denis! Ça serait malade. C'est-tu mon direct de l'univers qui commence? Ben ouais! Chris, qu'on n'a pas le budget pour faire ça. Alléluia! Puis mes parents chantent, ce serait malade. Non, pas nous autres. Mais c'est drôle, tu irais-tu, toi, en direct de l'univers? C'est l'affaire la plus stressante que j'ai faite de ma vie. J'ai chanté Gaffa pour Florence Lompré avec une chorale d'enfants. Wow! Gaffa! Puis, Google, Apple, Facebook et Amazon. Ils l'ont enlevé de YouTube, un moment donné. Ça, je le cherchais parce que quand ça venait de sortir, je le montrais à tout le monde que je connaissais. C'est là, bon. Avant de dire bonjour, puis ils l'ont enlevé, un moment donné. Là. Ouais. Ben, moi, j'ai dit à ma bonne chum, France Baudouin, j'ai dit, France, j'ai jamais fait en direct de l'univers, mais si je le fais, je vais chanter Gaffa avec une chorale d'enfants. 10 minutes après, c'était booké. Non! Fait que là, j'étais dans marde. Il fallait que je le fasse. Puis là, c'est l'affaire la plus stressante que j'ai faite de ma vie, mais je l'ai faite pour ma bonne chum. Comment ça, c'était stressant? Ben, j'ai ça chanter. Ah, okay. Ouais, là, il est karaoké. Puis là, tu chantes devant 1 million de personnes, puis là, tu dis, ça va être une joke. Mais non, là, c'est quand même toi qui chantes. Ouais. Il y a de quoi paniquer. D'ailleurs, Pascal Cameron était sur le show. Oui. Ça pouvait pas être pire que ça. Tabarnak, on dirait que quelqu'un écrase la trachée d'un chinchilla, puis qu'il met ça dans un micro. Exactement. J'adore. Je pourrais Pascal. Pas mieux le décrire. Mais c'est quoi qu'il a chanté finalement? Je ne t'aime plus. Ouais, il m'avait conté ça avant d'y aller. Là, c'est ça, c'est en direct. Pour vrai, c'est sorti déjà. Là. Mais avant d'y aller, il me contait. Il dit j'aurais aimé ça faire une fausse demande en mariage pour choquer ma tante qui regarde le programme. Ben, c'est un peu ça qu'il a fait quand même. Il a chanté très fort et très mal. Je ne t'aime plus. Ça me fait capoter parce que le monde a chiolé. Il y a beaucoup de gens qui ont chiolé sur Facebook. Puis t'as Florence Lompré qui pleure de rire c'est à cause drôle, de là. Vous avez rien compris. L'humour en esti, là, Florent. Sinon, elle a toujours voulu. Ben là, ils en ont un, là. Un Labrador, un Golden. Un Golden. Ils ont un Golden qui s'appelle Golden. Longueuil. Wow! Non. Je ne l'ai pas encore rencontré, c'est une belle bête. Mais il voulait y amener un Golden, comme s'il donnait, puis qu'elle pleure, puis après qu'il fasse ce chien-là, il est loué, on te l'enlève après. Ça aurait été un vrai. Ben oui, il n'aurait pas fait comme Muffin, là, le chat Marie-Soleil Dion, quand elle s'est fait demander en mariage pour vrai, elle, à son direct, pour vrai. C'est fou. Mais toi, de recevoir un en direct de l'univers,
Toi, que ça t'arriverait... J'ai déjà commencé à choisir mes chansons. Ah! OK, bon. OK, on veut des scoops, on veut des scoops. Ben tout là, le monde fait ça. Ils sont même pas approchés encore. Il y a du monde qui ont des... Ben non, mais non, mais on sait jamais. J'aurais jamais mon direct, voyons, c'est pas vrai. Non, non, mais non, non, je fais des jokes, mais j'aimerais ça que Laurence Nerbonne chante « Treat Her Like a Lady » de Céline Dion. Wow! La wow. seule chanson rap de Céline. Oui, oh. Puis le rap... Treat her like ouais, a lady. Ouais, mané, le beat, il vire un peu reggae. Ça là. Ah, ouais. C'est comme le fun, tu sais, c'est... Wow! J'aimerais ça que Laurence Nerbonne aime chanter ça. Céline a fait de la hi. C'est tout pour arrêter ça là. Mais elle a tellement fait des affaires fuckées là. J'adore Céline. Ouais. OK, qu'est-ce que tu veux d'autre? OK, dans ma vie en général. Non non, à ton en direct. J'allais dire un chalet. OK, treat me like a lady. Ah, OK. Qu'est-ce que je veux d'autre? Attends là, c'est une question piège là. Qu'est-ce qui m'irait bien? Ou sinon un artiste que tu serais surpris de voir à ton en direct de l'univers. Nicolas Ciccone. Oh, Nutella Ciccone. C'est son vrai nom. C'est-tu vrai? Ouais, il s'appelle ben Nutella, mais il a changé pour Nicolas parce qu'elle est fan de lui, là. Je te le jure. Ben non, c'est pas vrai. Google it. C'est pas vrai. Y a-tu quelqu'un qui a la réponse dans ça? Non, vrai. Non, c'est pas vrai. Ça me fait juste rire Nutella Ciccone. Ah. Ah ouais, fait qu'il viendrait de chanter genre Gaffa ou... Pour vrai, j'étais là, après, ça va être quoi, Cornelio? Il s'appelle Marjo, c'est vrai? Il s'appelle Marjorine. hey, moi, si j'ai un direct de l'univers, là, pour vrai, là, tu parles de Marjo, c'est ma meilleure, Marjo. Ah, hey. Ah ouais, hein. Marjo est écœurante. Ah, c'est ma... Son nouveau cheveu est capotant, ben j'adore son cheveu court à Marjo. Lâche pas ça, Marjo. Ouais, ouais, ouais. Bravo, Marcus Lambert, c'est un gars de Québec qui a fait sa nouvelle coiffe. Hey, vous faites du beau travail, Québec. Bon, c'est fait. Toi, t'es Marjo, avoir. Puis Patty Galant, j'ai rencontré Patty Galant cet été. Es-tu Smart, je la connais pas. Smart, tu dis, elle était cœurante pour vrai. Ben, c'est une diva, on se le cache pas, ça a été la grande déesse du disco pendant longtemps au Québec. J'adore Patty Galant. Pour vrai, là, c'était à Mobilo Aquafest, le gala de Trana. Ouais. Je faisais du stand-up, là, j'arrive, elle fait son soundcheck, t'sais, elle a chanté ce show-là, Sugar Daddy, une toune de Dua Lipa. Puis après ça, une de ses nouvelles tunes, ça avait pas de crise de Comment sens. Comment ça, j'étais pas là? Je sais pas. Étant en jogging, en sweater, j'adore. Avec une gaine, des souliers confort, là. That's là, elle chante, elle dit, à la fin de son soundcheck, elle dit, là, je vais prendre mon chèque. Là, elle niaisait pas, je pense. Elle niaisait pas? Je sais pas, ça niaisait. Moi, je suis partie en riant. Wow! Et je vais le dire, je m'en fous, elle a déjà signé mon album que j'ai acheté, mais dans la loge, elle a pété. Hein? Pis ça, c'est ma deuxième pref, là. J'étais pas prêt. À pète de son cul de 74 ans, alors là, une bonne fuse, a fait « Whoop, m'en va manger », a crissé son camp. Whoop! Pis moi, c'est le plus grand honneur. Le dernier grand honneur que j'ai eu dans ma vie, c'est gagner un Méritas en secondaire 2. Yes. Le deuxième, c'est sentir le sphincter à Patty. J'étais bien! Mon Dieu! Pète-moi au visage, Patty. Ah pète-moi. Oui, pète-moi au visage. Pèteuse Galant. Fais-moi sentir sale, Madame Galant. Ah, let's go. Ah, fais-moi mal. Ouais, Patty Galant a pété dans la loge. Toi, ton en direct de l'univers. Moi, il me reste une idole à rencontrer, puis c'est Shania Twain. Moi. Ah, ben oui, on aimerait ça. J'ai eu la chance, j'ai rencontré Gaga, j'ai rencontré Miley. Ben voyons. Il me reste Shania Twain. Gaga, tu l'as pas rencontré en personne. C'était juste dans la même pièce, là. Quand j'ai. À vrai dire, on allait voir son spectacle au Centre Bell, et on avait des billets VIP. Il fallait passer par le derrière du Centre Bell, et il y a quelqu'un dans un auto. Je vois, elle me fait signe. Fait que là, je m'approche tranquillement. Puis là, mon père est comme Colin. On dirait que c'est Lady Gaga. Je suis comme, ben non. Serge! Et Serge a reconnu Lady Gaga. Et jusqu'à temps qu'il y a un Frenchie noir qui sort la face. Et là, je suis comme, ah ben, tabarnak. Ça, c'est ses chiens qu'elle s'est fait kidnapper. Oui, un de ses chiens. Ah! Oui, elle s'est fait kidnapper. Quatre personnes, dont un jeune de 18 ans, ont kidnappé ses bulldogs français. Pourquoi on précise qu'il y avait un jeune de 18 dans le gars? Je sais pas. Regarde, moi, je connais des affaires. Je suis juste à Québec pour dire des affaires. C'est pas tantôt une nouvelle. C'est LCN en direct. C'est ça. Mais bref, à m'arrêter sur la rue, j'allais rencontrer Miley. J'étais à... Miley, j'étais à la finale de Drag Race. Non, c'était Marimé. Non. J'ai capoté. J'ai la vraie... À vrai dire, j'ai même un tatouage de Lady Gaga dans le dos. J'ai un gros portrait de Lady Gaga. Et j'ai la vraie autographe parce qu'elle l'a signé puis j'ai fait tatouer direct après le show. Je la monterai dans les loges après. T'as-tu été infecté par l'encre de crayon quand tu t'es fait j'aurais pu infecter, perdre une jambe, m'en calisse. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais bref, en direct de l'univers, Shania Twain. Ben, je suis pas sûr si France Baudouin appelle Shania qu'elle fait, ben oui, Chris de bonne idée.
Mais la gueule avec Woman. De faire un zoom, là, Chanel. Ben oui. Mais... zoom. Man, I feel like a woman. T'sais, on l'a tout fait pendant la pandémie. Ben oui, mais zooms, pas prête, une courbe en zoom, il y a de quoi s'en crisser une dans la tête, là. Hé, hey, c'est assez terrible, c'est cette affaire-là. T'as-tu fait du zoom, toi, pendant la pandémie? Le moins possible. On a fait? Ben, non, j'ai pas fait de spectacle. Non, non, ah, pas de spectacle. Chanson au monde. Non, 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 non. Moi, j'étais allé écrire des affaires. Puis okay. Je me suis dit, hey, c'est une bonne période pour se cacher, ça. Ben spectacle oui. Spectacle en zoom, oh, là. Oui. Ah! Oh, là. Mon Dieu, en que ça plus, doit être plate. Ouais, j'en ai fait un, puis c'était à la fin de la pandémie. Je me suis dit, je vais le faire une fois parce que tout le monde en parle, tu sais. Ben oui. Puis là, sur l'écran, l'organisateur, il pinait l'humoriste qui passait, là. Pinait l'écran. C'est-à-dire, c'était ce gros écran-là. Fait que les trois autres écrans au-dessus que je voyais, c'était l'organisateur, les deux autres humoristes dans leur salon qui attendent de même. Je voyais pas le public qui était sur mute. J'étais tout seul dans mon bureau à faire des jokes, à suer comme une truie. Ah, c'est terrible. Wesh! Le sentiment de solitude, quand j'ai à jouer la solitude, mettons, comme comédien, je me rattache au moment où t'es tête en zoom, t'es tout seul chez vous. Pis t'es chaud marde. Ouais. C'est plate, là? Ah ouais. Mais ah ouais. Ça a eu une bonne chose, par contre, de faire des shows en zoom. On a... Je pense que dans les dernières années, on a sous-estimé que le public était important puis d'avoir vraiment un contact dans le milieu qu'on fait. Alors, on est content de retrouver du monde. Pour vrai, là, le plaisir que vous nous faites d'être ici, là, vous n'avez pas idée, la gang. Pis... Ah, pour vrai, depuis que c'est fini, ben c'est pas fini, là, mais depuis qu'on recommence à vivre, là, ouais. Ma calice du monkeypox, moi, je touche à tout le monde, là, n'importe qui. Aussi sale sois-tu, m'a te mettre une main sur la joue en disant « je t'aime ». Mais ça. Ouais. Vache. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait, pendant la pandémie aussi, il y a eu un anniversaire d'amis, puis on a fait un meurtre et mystère en Zoom. Ah, que... Puis c'était une drague, là. Ah, ben voyons, ça, les parties sur Zoom, il fallait s'ennuyer sur un moyen oui, temps. Mais là, je l'ai fait pour son anniversaire, là, c'est un ami, là. Ça l'a un peu moins depuis, là, mais... Ben, là, c'est une drague, fait que moi, j'étais la vieille ménagère british. C'est super. Là, j'étais en vieille ménagère, je me suis maquillée en 5 minutes, là. C'était grotesque, ben là. Oui. C'était dégueulasse. Yeah. Puis, en faisant le meurtre et mystère, moi, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dans mon bar, il me restait rien que du pastis. Fait que j'ai bu du pastis. C'est très fort, du pastis. C'est quand tu joues pas à pétanque, c'est encore plus fort. J'ai blackout en ménagère. Mon chum est venu travailler. J'étais couché dans le lit en ménagère de 68 ans. J'ai jamais vécu ça. Mais c'était-tu toi meurtrière, au moins? Je m'en souviens pas, Guillaume. Je me souviens pas comment ça a fini. Pour vrai, ça avait pas de sens. On le sait pas. Ah, mon quelqu'un a tué, quelqu'un est en liberté. Ma voisine était comme, ça criait donc ben hier chez vous. J'étais comme, ah, j'étais déguisé en vieille ménagère, puis je faisais un meurtre et mystère tout seul. Elle était comme, pardon, asti. Qu'est-ce que. C'est-tu ta voisine de 114 ans? Non, c'est ma voisine massothérapeute. Ok, pas ouais. Des propriétaires. Non, elle est ostéo. J'ai mal à l'épaule, j'ai dit, asti, ouais. J'ai mal à l'épaule, elle dit, j'ai vu ton recyclage, puis c'est sûrement relié au foie. Asti qu'à gosse, pauvre. Là. Ouais. Hey, ça, c'est un jugement. Oui, je te jure, ben. C'est un conseil, mais c'est un jugement. Elle voulait faire une joke, tu sais, mais j'étais comme, pauvre, va chier. Je vais en payer un autre, là. Je vais aller vendre mes bouteilles, puis payer un traitement chez vous. Pourquoi tu regardes mon recyclage, tabarnak? C'est ce qu'il y a de plus privé chez un humain. C'est une ostéopathe, elle voulait se faire des bijoux avec le verre cassé. Ah, sur ma grano du colis. C'est-à-dire que je reste à Villerie. On savait plus quoi faire à la fin de la pandémie. Si regarde ça, ben comme, de l'or. Ouais. Hey, c'est quoi, ça a été quoi d'ailleurs, juste pour. Il nous reste 3 minutes. Ouais. Hein? La pire activité que tu as faite pendant la pandémie en disant, hey, ça, c'est une excellente idée. Hé, hey, là. Ah, oh, mon Dieu. La ministre, elle a dit, réinventez-vous, puis moi, j'ai dit, no! J'écoute Drag Race en mangeant de la poutine. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est ça que j'ai fait, pour vrai. Ouais. J'ai essayé de faire du sport, j'ai haï ça. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Un peu de crossfit, là. Oh mon Dieu, c'est tellement pas toi. Crossfit dans ton appartement, c'est quoi genre? J'ai fait des jumping jacks. J'en ai fait 10, j'ai arrêté. Trouvez ça bien plate. Ben parce que t'es tout seul aussi, le crossfit, il y a une grosse part aussi de madame avec les cheveux courts qui te crie après d'aller plus vite. Oui, c'est là. Ça. Il manquait la violence. Il te manquait la violence. T'aurais dû appeler mon os. Non, parce que j'ai une amie qui a fait du crossfit avec sa blonde. Puis sa blonde, c'est genre le russe dans Rocky, là, le blond. Là. Oui. Mec des tontons, là. T'es pas rare. Le crossfit, le monde fait peur. Guillaume, ça tire à sa fin. Je veux que ça continue. Je le sais, moi aussi, mais là, on est à Miss Univers. Ton plus grand souhait pour le monde. La paix dans le monde. Écoutez-vous et soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ah. Guillaume Lambert! Merci tellement. Un grand merci au Festival Comédia de nous avoir reçus. On a été reçus comme des reines au Comédia Club. Ah, merci à vous d'avoir été là. Vous avez été
Incroyable. On parle le jingle, le jingle. Merci, ma chum. Hey, merci, mon autre Grenoble. Merci, mes chums. On peut dire qu'on est amis maintenant. On est amis. On peut. Ben oui. Et là, les chums, on sort à soir. On sort à soir. Ah, mon Dieu. On va aller dans la loge jaser de ce qu'il faut couper du podcast, là, Chris. Hey, merci la gang d'avoir été là. Avez-vous eu du fun? Hey, vous avez été un public incroyable. Une dernière main pour Guillaume, s'il vous plaît. Ouais. Non, non, une dernière main. Quelqu'un qui a une prothèse, lancez-y votre main, j'en ferai. Non, on vous invite à rester. Il y a plein d'autres spectacles. Oui, ben, à vrai dire, ce soir, tu fais un 30-30 avec Trana Wintour. Ma grande chum. Là, dans une heure. Et moi, à 22h, j'anime un bingo disco. C'est mes jouets au bingo. Et que vous avez envie d'avoir des prix de marde, vous invite à revenir à 22h. Pour ça, je t'aime. Hein? Les deux choses les plus quétaines, le disco, le bingo, puis elle a fait merge. Merge. Ouais. Puis sinon, ben, on se voit dehors, puis toi, tu viens dehors. Bye, la gang! Il reste 20 secondes, bye!